C'était il y a un an, pratiquement jour pour jour, le 5 novembre 2018, 8 personnes perdaient la vie à Marseille dans l'effondrement de 2 immeubles. Ce drame de la rue d'Aubagne avait mis en lumière l'insalubrité de plusieurs centaines d'immeubles à travers la cité phocéenne. Et bien justement, des dizaines de photos de ces immeubles délabrés ont été prises ces derniers mois. Elles font l'objet d'une exposition. Le vernissage, c'était hier soir, en présence de certains sinistrés et de Nathalie Chevance pour Europe 1. Une petite fille en pyjama rose qui regarde le plafond défoncé du hall d'entrée de son immeuble. Des dizaines d'habitants qui font leur carton dans la rue. Cliché instantané saisi au cœur de Marseille par Anthony Michaleff, photoreporter. On voit des foules de gens qui quittent leur logement avec des valises à la main, comme pendant la débâcle. Hein. Il y a une ambiance assez dramatique dans les visages des gens qui sont prostrés, qui ne comprennent même pas ce qui peut se passer quand on vient sonner chez vous en vous disant qu'il faut être dehors en 20 minutes avec vos valises. Il y a quelque chose du conflit, de la violence. Et aujourd'hui, ils sont là, ces anonymes, qui ont dû fuir leur logement menacée de péril. C'est le cas de Marie qui pleure devant une photo où elle se reconnaît. C'est au milieu des immeubles qui sont détruits et qui a été la raison pour laquelle on a été évacués. Je connais quasiment toutes les personnes qui sont sur ces photos. Puis j'y suis aussi. C'est nécessaire de montrer encore et encore tout ce que ça a provoqué, tout ce que ça a fait. S'exposer pour ne pas oublier, se raccrocher aussi à de petites choses. David, père de famille, commente la photo prise il y a quelques mois. C'est le moment où en fait je repasse chez moi prendre quelques affaires et j'emporte notamment une bouilloire en fait pour reconstituer un quotidien qui a du mal à exister en fait. J'ai un peu besoin, non pas de me voir moi, mais de sentir qu'il y a de nouveau une prise de conscience de la gravité de ce qui s'est passé dans cette ville. Car ils sont 3000 à avoir dû quitter leur foyer depuis un an. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.